Est-ce que vous connaissez la classe à la James Bond? Bienvenue, Julien. Mesdames Julien. Et messieurs. Ouais, on connaît un petit peu. Aujourd'hui, nous allons jouer à une simulation de garçon de café. Allez, non, non, attends, attends. Moi, j'ai la classe à la James Bond. Toi, c'est plutôt la classe à la Chuck Norris, quoi. C'est à Chuck Norris. À Chuck Norris, parce qu'il ne pas pignon blanc. Le petit ne pape. Regarde-moi ça, faites rentrer les filles, là. On y va. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Eh ben, j'en dis que c'est la classe à la James Bond, puisqu'aujourd'hui, on va jouer à quoi, Yoyo? Eh bien, nous allons jouer à James Bond Nightfire. James Bond Nightfire, qui est le nouveau James Bond sur la PlayStation 2. Eh oui, et non pas le film qui va sortir bientôt. Eh non, parce que le film n'a pas du tout le même nom. Oui, le film, il s'appelle comment, en fait? Il s'appelle Die Another Day. Voilà. Alors on parle, mais ça commence tout de suite parce qu'en fait, oui, on commence tout de suite dans la partie. Donc le scénario du jeu n'a rien à voir avec celui du film. Ouais, on précise. Des nouveaux méchants, voilà. Un nouveau scénario, James Bond toujours aussi séduisant. Voilà. Toujours la classe, les femmes, au programme des femmes, du flingue, des missions, des gens à tuer. Du James Bond, quoi, la classe. Voilà. Rappelons-nous celui de Nintendo 64, là, le GoldenEye. Le GoldenEye, ouais. Il y en a eu d'autres avant aussi qui sont sortis sur PS2, non? Mais ils n'avaient pas exactement la licence James Bond. Il y en avait, si, il y en a qui avaient la licence, il y en avait un autre qui n'avait pas la licence, c'était No One Lives Forever. Yeah, la classe, everybody! La classe américaine, non, la classe à l'anglaise. La classe à l'anglaise, tout à fait, ouais, tout à fait. Voilà. Donc là, ils ont la licence, il y a même le mec qui fait James Bond, Pierce Brosnan. Pierce Brosnan. Voilà, il est complètement modélisé. Et c'est bien, alors Yo-Yo, dis-nous, est-ce que c'est bien? Parce que t'as quand même la classe... Je vise, regarde là, regarde, je vise, tac! Je fais tomber la planche et hop, la voiture, hop, voilà. D'accord. Alors je sais que t'as pas l'habitude de me voir aussi élégant. Ah oui, ça c'est rare. Et ça t'émeut un petit peu. La belle AC Cobra là, une belle auto ça. Voilà, hop, crève le pneu, mais James Bond est dans le coin, rassurez-vous, il va rien lui arriver parce que c'est Dominique, on doit la protéger. Tiens, Dominique, elle s'appelle pas toute Dominique dans les James Bond? Non, pas du tout, je sais pas. Si, il me semble qu'elle s'appelle toute Dominique, tiens Dominique. Dominique, là le camion qui est juste devant, les méchants qui tirent et on va devoir la sauver. D'accord, là c'est les petites cinématiques et on est toujours dans le jeu ou pas? Là tu peux jouer? Non, pas pour le moment, mais je vais prendre le contrôle de la voiture là, l'Aston Martin, la classique Aston Martin de James Bond. Alors là on va tomber dans les séquences de conduite. De conduite, on va être qui ont été faites par les développeurs de Need for Speed. Oh trop cool! Donc quand même c'est pas rien, c'est référence. C'est pas rien ça monsieur. Et voilà, là on rentre. Oh, c'est tellement bien fait, il est magnifique ce jeu. Il est magnifique. Quelle classe, hein. Regardez-moi ça. Et puis il est cool quoi. Il est jamais décoiffé ce monsieur. Ouais. Il a fait un tour d'hélicoptère, il a été troyé en plein Paris la nuit et rien. Et la classe. Et il traîne jamais avec des tons, c'est pas comme toi. Yo-yo. Yo-yo-ton. Participe au yo-yo-ton. Envoyez des dons. Important. Donc alors, là, les phases de jeu de conduite, yo-yo. Alors là, c'est assisté, hein. Tout le début, c'est assisté. Donc j'appuie sur L1, je lâche les gaz à l'arrière. Voilà. D'accord. Et voilà. Voilà, parce que t'as plein de petits gadgets. On rappelle pour ceux qui habitent sur la planète Mars, il y a quand même James Bond, il y a un petit gadget. Ouais, enfin c'est pas Mister Gadget non plus. Hein. Non, mais il a pas mal de choses. Toi aussi t'as des petits gadgets, hein? Comment ça? T'as des préservatifs de goût mayonnaise. Ah ouais, j'en ai des fluos qui dans la nuit. Non, mais franchement. Goût mayonnaise. Non, c'est goût fromage, c'est bien. Non, ça, goût mayonnaise, c'était une petite allusion au fait que tu traînes qu'avec des thons, le thon mayonnaise. Ah, il est magnifique. Mais c'était trop subtil. T'es un copain, toi. T'es un vrai copain. C'était trop subtil. Ouais. Non, mais c'était bon. Les connaisseurs auront compris. Oui. Alors, les amateurs d'humour fin et qu'est-ce qui se passe? Ta mission, Yo-Yo, c'est quoi? Alors, est-ce que je peux raconter un petit peu l'histoire de ce James Bond? Non. Alors, Mr. Drake, qui est le vilain méchant du coin, a décidé de mettre la main sur la planète. Un bon mégalomane, comme on a l'habitude de voir. Comme d'habitude, un bon méchant. Et James Bond est là pour l'empêcher de prendre possession d'un satellite qui lui permettrait de contrôler un petit peu tous les médias. Bref, c'est un peu le même scénario qu'on a dans tous les James Bond d'habitude. Mais c'est pas le scénario du film. Alors voilà, je mets mon turbo là, regardez. Paf, turbo, alors là ça se grisonne, c'est génial. Et... Pas mal du tout.
C'est pas le scénario du... Et tu prends que des sens interdits. Ouais, mais attends, James Bond, il a le permis de tuer, donc si tu veux, sans s'interdire, d'un côté, ouais, peu, hein. D'un côté, c'est normal. Et là, je dois rattraper le camion dans lequel il y a une mallette que je dois récupérer. Alors là, je lance mon projectile IRM. C'est un petit projectile à résonance magnétique qui fait perdre le contrôle du camion qui tombe dans l'eau. Mission accomplie. James Bond, mais voilà, comment il va faire pour récupérer la mallette maintenant de Bond? Il va falloir qu'il aille dans l'eau. Ça, j'ai pas compris. Et... Ah. Ah bah moi des... Ah il va passer une bonne soirée. Ah des réveillons comme ça j'en souhaite à tout le monde. Ah hein. Ouais c'est vrai. Très sympathique. Hein. Parce d'ailleurs, qu'il est pas, il est pas avec une morue là. Hein. Ouais c'est clair. D'ailleurs dans le dernier James Bond il y a une actrice là. Comment elle s'appelle? Une black, elle est... Alberi, magnifique. Ah jolie. Une bombe atomique hein, qui joue comme d'habitude dans les James Bond. Ouais. Nous on a eu une française, on a eu Sophie Marceau quand même. Hein, dans, ouais dans aussi, dans aussi. Très 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 belle. Enfin, ça nous fait rêver tout ça. Hein, pas mal, Chuck Norris. Alors, Chuck Norris, Chuck parce Norris, que c'est la classe pas... à Chuck Norris. Chuck Norris, c'est papillon blanc, quoi. Ah bon? Allez, il a ne papillon blanc. Et on commence. C'est ma tenue pour les mariages bar mitzvah, le truc habituel, quoi. Bah oui. Petit ne pas blanc. Voilà, alors après, il faut rentrer son nom, patati patata. Et on arrive. Qu'est-ce que t'as fait là? Attends, explique-moi, t'as fait quoi là? Bah, c'est-à-dire que quand t'allumes la console, le jeu, ça commence direct avec ça. Il n'y a pas de menu. Tu commences direct là-dedans. Ouais, et à partir de là, tu sauvegardes. Voilà, c'est level 1. Ouais, c'est level 1. Ouais, premier niveau. Et là, c'est ce que vous expliquez. Le satellite, je ne sais pas ce qu'il faut faire avec le satellite. En gros, il faut récupérer la commande du satellite qui est chez Drake. Il faut s'infiltrer dans une soirée. Donc là, on arrive devant un château qui est là, dans lequel se tient une soirée. Et nous devons nous inviter dans ce château pour aller chercher 2-3 informations, prendre des photos, etc. Allez, donc là, regarde, je suis là, et le Pékin de base, il connaît pas, il commence, il se dit, tiens, je vais aller tuer les méchants, et je vais essayer de m'infiltrer. Seulement, moi, je suis James Bond, et je suis ici en mission secrète. Tout à fait. Ouais. Et le mieux, pour s'infiltrer secrètement, c'est d'attendre, eh bien, tu vas voir, que le camion passe. Ah, joli. Bravo. Laissez-moi rentrer dans le camion. Tu peux monter ou pas? Bah, attends, je vais essayer. Ah d'accord. Voilà, ça y est. Alors, voilà. Je monte dans le camion. Hop. Où est-ce que je suis là? Hop, regarde dans le bas. Alors. Ça y est, je suis caché. Si t'es caché. Bon bah c'est non, pas grave. T'es pas caché. Alors dans ce cas, je vais faire le Pékin de base et j'ai niqué tout le monde. Voilà. Alors c'est bien. Alors, il fallait l'annoncer avant, bien sûr. C'était très bien. Voilà. Voilà. Alors normalement, pour avoir la médaille, pour avoir la médaille, il faut rentrer dans le camion et passer inaperçu. Et bon là, je vais la faire un peu à la barbare. Je mets mon silencieux. 2 positions sur chaque arme, c'est extraordinaire. Vous pouvez mettre le silencieux, l'enlever. Vous avez des positions rafales sur les armes, des positions automatiques, des positions avec ou sans. Dis donc. Par contre, tu peux pas viser là. Tu peux pas loquer un adversaire. Non, tu peux pas loquer les adversaires et c'est pas évident. Mais t'as pas de viseur, ouais. Ça doit non, pas être par contre, j'ai le sniper. Où est-ce qu'il est? Il est là. Donc, sniper furtif. Si t'avais été dans le camion, t'aurais fait la mission un peu mieux, quoi. J'aurais plus de facilité. Parce que t'es classé à la fin. Non voilà, alors lui, je le vise, pleine tête, et on n'en parle plus. Oh, dis donc, on tire derrière sur moi. J'aurais été dans le camion, j'aurais déclenché, tu sais, à chaque fois que tu trouves un petit système comme ça pour pas te faire repérer, tu gagnes du point. C'est quoi le truc en bas à gauche de l'écran? En bas à gauche, c'est ton énergie. D'accord. Ok. Et en à droite, c'est le truc des armes avec l'arme que tu peux avoir. Tout à fait. Allez. Voilà. Et ben mon saligo. Pourtant, bien ça doit faire mal, ça. Donc voilà. Et ben c'est pas que j'ai pas réussi. Là, c'est tout simple. Mais le but du jeu, c'était plus quand même de rentrer par le camion et de pas se faire repérer. Bon. Voilà, j'arrive. Non mais parce qu'on l'a annoncé, on a dit voilà. Voilà. Bon là, arrivé en fanfare. Arrivé en fanfare. Voilà. Là, normalement, là, tu peux assurer. Voilà, tu peux assurer. Normalement, tu sais, t'entends, t'arrives à la porte, t'as le mec qui fait « Salut, je viens livrer du vin !» Et puis l'autre, il fait « Allez-y, rentrez !» Et puis tu rentres, et tu sais pas repérer. C'est un jeu-là où t'as joué 16 heures ce week-end ? Je suis quand même arrivé à plus de la moitié, mais là, c'est la pression, je ne sais pas ce que c'est. Mais je vais vous montrer les gadgets. Voilà, je vous montre un petit peu les gadgets, regardez. Alors, vous avez le taser, ça, c'est le truc pour électrocuter. Je vous montre les gadgets parce que c'est super intéressant, c'est un peu le... C'est le James Bond, c'est des gadgets quoi. C'est alors ça, il y a le laser, le classique. Il y a le grappin, comme dans les autres. C'est classique. Dans GoldenEye, il y avait le grappin aussi, le premier 64. Je crois qu'il y avait. L'appareil miniaturisé qui sert de briquet aussi. Tac, vous pouvez vous en servir comme appareil photo. Regardez, pour prendre des photos. Très pratique, c'est génial. Regardez, tac, je prends une photo, clic, clac, merci. Ça ne sert à rien. Hop là. Mais bon. Si, ça sert. De prendre une photo des gens là, non, peut-être pas. Et après, c'est tout. Voilà. Alors on y va. Donc on va pas faire dans la dentelle. Écoutez là. D'accord. Ah bah normalement on parle. Normalement il parle. Alors si vous parlez pas, et ben moi, hop. Sachez que dans le Level 1, rien ne se passe comme on le voudrait, hein. Ça rien ne se passe comme on le voudrait. J'aurais préféré rentrer par le camion, mais ça fait rien. Et alors, normalement t'arrives là avec le camion. Ouais, mais donc, ça change rien. Alors, le but du jeu, c'est pas de se faire repérer. Donc je vais prendre mon. Oh putain, je vais prendre le.
Et dans le jeu, au fur et à mesure, toi qui as joué 16 heures quand même, au fur et à mesure, il y a toujours le même genre de truc, c'est-à-dire tu peux réussir plus ou moins bien la mission. Ouais, tu peux réussir. Toujours, il y a des trucs un petit peu subtils. Il y a des trucs super subtils. Il y a des endroits où j'ai galéré parce qu'il y a des parce que déjà je suis pas super intelligent et qu'il y a des énigmes à résoudre que j'ai eu du mal. Ah d'accord, donc c'est 16 heures sur le premier niveau, faudra préciser. Le premier, ça va. J'ai eu du mal à trouver l'endroit où fallait par lequel fallait passer. T'as un niveau. En plus, il y a plusieurs niveaux. Il y a niveau facile, difficile, sûrement. Ouais, bien sûr. Mais là, il est déjà assez compliqué comme ça, celui-là. Donc, alors, qu'est-ce qu'il faut se passer? Oh là, lui. Dis donc, mon coco. Ah, il se cache bien, les mecs, là. Bien joué. Oh, attends, tu crois bien, moi, je suis James Bond, je suis pas n'importe non, qui. Mais c'est pas alors, voilà, l'héliport, que... l'héliport, là. Moi, je connais. Alors, explique-nous, qu'est-ce qu'il faut faire à l'héliport? Alors, à l'héliport, faut récupérer. Il y a juste une armure à récupérer. Le but du jeu, c'est de s'infiltrer, là. Grenade étourdissante, ça, c'est pas mal. J'en ai utilisé une, rien que pour vous montrer, parce que c'est extraordinaire. Ça, c'est une grenade qui permet d'aveugler les ennemis. Et pendant qu'ils sont aveuglés, eh ben, tu les. Hop, dans la tête. D'accord. Et le dernier. Ils sont en train voilà. De ouais, bon. Et donc là, la grenade étourdissante. Je vais la balancer, tu vas voir, mais je vais la balancer via des ennemis. Là, il y en a pas mal. Tu vois, ils vont être étonnés. On va en faire les malins. Ah, pour l'instant, au niveau des musiques, c'est pas mal. C'est une musique officielle du film, je suppose. Ouais, je pense que c'est des musiques enfin, classiques du film. De la série, quoi. Ouais. Alors, regarde, là, je vais balancer une petite grenade étourdissante. Je fais coucou. Hop. Mais il faut vite se retourner, fermer la porte. Ah, ouais, faut se retourner. Toi, tu peux être étourdi aussi. Ouais, bien sûr. Voilà, elle a pété. La grenade. Ouais. Oh, ah, oh, non, oh non, regarde, c'est normalement, pas bien, hein, c'est regarde. Pas bien. Ah, j'ai mal aux yeux. Oh, tiens. Bien. Et toi aussi. Voilà. Donc c'est dans la finesse hein, que ce jeu se réalise. Et là, on arrive au panneau de contrôle pour couper le courant, parce qu'il faut couper le courant pour couper tous les projecteurs. Oh, dis donc, mon bonhomme, où t'es toi? Ah, il y en avait un qui était. Il y en avait un qui était là. Je regarde s'il y en a pas un dehors. Non, c'est bon. Alors maintenant, je prends mon laser. Et à votre avis, il faut couper quel fil? Tu coupes lequel? Vas-y. Parce qu'il y en a un qui déclenche l'alarme et il y en a un qui coupe tout le courant. Le vert. Non, le rouge. Non, le vert. Oh merde. Oh bah les deux. Moi j'ai coupé les deux. Alarme donnée. Alors on s'en va. On trace, on prend l'arme. Là c'est pas bon parce que normalement faut couper que le vert. Oh yo, le coup du camion. Le normalement. Mais le rouge. Normalement. Et oh, attention. Oh là là. Alors là, faut réussir. La première fois, j'ai quand même coupé le vert, moi, le rouge, la première fois. Et c'était lequel qui fallait couper? Avec ma logique légendaire. C'était lequel qui fallait couper? Le rouge, peut-être. Où est-ce qu'il est? Attention, là, ouais, parce que là, tu es en train de baisser au niveau énergie, là. On te tire dessus. Cache-toi. Où est-ce qu'elle est la sortie? La musique est stressante, l'alarme est stressante, tout est stressant. L'alarme est super stressante. Peut-être une petite grenade étourdissante, là, pour les calmer. Ouais, c'est pas bête, ça. Allez. Alors, grenade étourdissante. Ah, là, là. Donc il fallait couper lequel, Yo-Yo? Le vert? Le vert. Il fallait couper le vert. On n'est pas loin de l'entrée de la soirée. Et ça y est, les deux. Ah, alors... Ça y est, ils sont étourdis. Ah, ça y est, ils sont étourdis. Tu l'es avant qu'ils se réveillent? Voilà. Oh là, c'est stressant quand même, hein, James Bond. Ah, qui c'est qui me tire dessus? Vite, je pars. Encore. Vite. Ça, c'est la sortie? C'est là, oui. Ouais, on a assuré. Ça y est, ouais. Laborieux, mais c'est réussi. Je suis content. J'espère que vous serez vraiment très discret. Alors, en principe, normalement... La meilleure façon d'arriver à la fin de ce level, c'est pas de faire parpérer, de couper juste le fil vert et après furtivement se glisser derrière les bonhommes et bam dans la tête. Normalement, tu devrais pas perdre d'énergie. Arrange ton petit nœud, Pape, là, parce que ça part en fly. Ça fait très maître d'hôtel quand même. Hein. Ça fait un peu ça. Alors, au niveau des voix, on a entendu les voix, c'est pas les voix officielles. Qui? Quand j'ai entendu des voix là, qui parlaient dans les cinématiques. Non, c'était pas. Non. Moi, je préfère jouer en anglais parce que les doublages français sont un peu pitoyables. Les voix n'y sont pas là. S'il y a un petit défaut à donner, ce serait les voix. Même toi, la voix de Brice, voilà, j'ai du mal. Ah, c'est bon ça. Ah, et elles disent bonjour en plus, elles sont sympas. Ah, c'est bon. Si tu es blonde à forte poitrine, ça nous intéresse aussi. Hey. Oh là, c'est intéressant tout ça. Alors, où est-ce qu'on est? Voilà. Là, on arrive dans le château, on doit s'infiltrer aller prendre des photos. Est-ce qu'on peut faire comme le fait James Bond d'habitude? Parce que faire l'amour avec des dames? Voilà. Il y a des dialogues un petit peu équivoques. Ah oui, il y a deux, trois dialogues équivoques. Il y a des dames qui te disent écoutons, par exemple. Non, mais carrément le. Écoute. Passer à l'acte. Elles te disent bonsoir d'une façon plutôt aguicheuse. Hein. Ouais, c'est ouais. Une vraie maison close, ce truc-là. C'est hein, intéressant, c'est intéressant, ma foi. Tiens, lui, c'est un des méchants. Lui c'est un des méchants du jeu. Il va conduire un hélico un peu plus tard, vous allez voir, on se bat contre lui. D'accord. Alors là, est-ce qu'on peut passer? Bonsoir, messieurs. Vous ne pouvez pas entrer ici. Ah, bon, j'insiste pas. Ah, pas mal. Ils n'ont pas l'air commodes, hein.
Voilà, là on arrive dans la salle de réception. On va parler aux nanas là. Non ? Il faut parler aux gens pour faire des trucs. Elles veulent pas. Alors si elles veulent pas avec James Bond, j'imagine qu'avec moi. C'est raté, hein. À mon avis, je suis pas Pierce Brosnan, ouais, ça c'est sûr. Non mais là dans le jeu, là t'es en train de te balader, tu dois parler avec les gens. Le but du jeu, c'est de se balader, de donner des indices et d'arriver juste ici pour prendre 2-3 photos. Mais c'est génial ça. Qui nous invite à sa soirée, c'est génial. C'est génial parce que comparé à moi, la référence que je connais, c'est GoldenEye quoi. Comparé à GoldenEye, c'était pas aussi abouti comme ça, pas aussi approfondi que ça. Non, c'était pas aussi abouti. Là, tu dois. Il y a plus de petites missions. Si tu veux, à chaque fois, tu as au moins quelques objectifs à remplir. Tu as, je sais pas, dans chaque mission, tu as 10 objectifs. À chaque fois que tu en réalises un, on t'en redonne un, etc. Ah oui. Oui, il y a 10 lieux et 20 missions. 10 lieux, 20 missions, tu te balades en jet ski, ta voiture va sous l'eau. C'est extraordinaire. Ah, c'est bon. C'est qui ton James Bond préféré? Je suis pas. Comment ça, c'est qui le film? Roger Moore, Sean Connery, oui, l'acteur. Timothy Dalton ou Pierce Brosnan? Pas vraiment de préférence. Moi, je trouve que je préfère Indiana Jones. Non, en fait. C'est Sean Connery. La classe, c'est Sean Connery, ça c'est bien. Peut-être. Et là, on arrive là. Ah, je vous montre quelque chose aussi d'extraordinaire, c'est les lunettes. Première paire de lunettes, la classe, pour voir dans la nuit. Deuxième paire de lunettes, des lunettes thermosensibles. C'est-à-dire. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que le thermos? Thermos en grec, la chaleur. La chaleur, la température plutôt, peut-être. Voilà, non, et sensible, eh ben, comme moi, un cœur d'artichaut. Oh non. Et ces lunettes, elles te permettent de voir à travers les murs les ombres de tes personnages. D'accord. Tu sais combien d'ennemis. Quand ils sont chauds. Par contre, je crois que dans ce James Bond-là, James Bond couche au moins. Enfin, moi, je suis arrivé juste au 6e niveau. Il a couché déjà 4 filles, quoi. Ah, quand même. Une asiatique, la brune, là, et la blonde aussi. Il couche avec tout le monde. Non, mais. Ah, les deux en même temps? Les deux en même temps. Là, elles se présentent parce que c'est des agents infiltrés. D'accord. Ne vous laissez pas ralentir. Non, mais c'est la vie courante d'un James Bond, ma foi. Ah, bah oui. Hein, on en rêve tous. Alors que moi, j'ai une vie un petit peu plus. Calme. Calme, plus calme. Voilà. Plus reposée. Voilà. J'ai pas le tempérament de feu de James Bond. Non. J'ai pas son physique non plus, hein. Bon, ça dépend, c'est pas que le physique, c'est la classe, c'est une sorte de présence. Ok, d'accord. Donc, tout ça pour vous dire que ce jeu est vraiment pas mal et moi je donne mon accord à celui-là. Moi je dis bravo, je dis tout simplement bravo. Félicitations. C'est une bombe. Voilà, je mets mon silencieux parce que je vais faire du carnage. Et on vous dit que ce jeu est un hit. C'est un hit, voilà. Et quand c'est un hit. Et ça sort sur PS2, GameCube, Xbox. Ouais, peut-être. Faites confiance à Julien. Sur la Level 1, un café l'addition et on vous dit à bientôt. Allez, salut, à plus.